Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. Donc première vidéo sortie de cette année, mais plutôt manifestation, voilà. Je me trouve au niveau de la préfecture de Chaumont, voilà. Donc pour la manifestation contre le dos, contrôle technique moto, enfin contrôle mécanique de roues motorisées, voilà, on peut l'appeler comme on veut, avec toutes les motos qui sont là, voilà. Donc on se rassemble là pour protester contre ce contrôle technique de roues, voilà, moto, de roues motorisées, qui est une aberration. Je vous invite à regarder les articles de Moto Magazine, voilà, qui en parlent très bien. Hein, voilà, je vous mettrai une infobulle pour vous parler de cette aberration. Enfin, je vais laisser un peu de place, il y a des motards qui arrivent encore. Voilà. Donc voilà, on est là, et puis les motards sont aussi là, voilà, en train de se rassembler. Donc il y a du monde, ça fait plaisir. Il y a pas mal de monde, tu vois. Ça se remplit, ça se remplit. Voilà, donc les moteurs sont bien mobilisés. Pas trop de cyclos, moi je suis le seul en Solex. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça se met. Voilà. Donc je vais te montrer ce moment de manifestation et puis on va voir comment ça se déroule. Bien sûr, pas de débordement, dans le calme, la bonne humeur. Mais surtout, l'important c'est la mobilisation. Voilà, la mobilisation. Allez, on continue. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vous ai montré en vidéo, il y a beaucoup de motos, ça fait plaisir, voilà, les moteurs se sont mobilisés en max. Il y a aussi encore quelques cyclomoteurs qui sont là, voilà, scooters, mobilettes. Bon, on est moins d'une dizaine en petits cyclomoteurs 50 cm cubes, mais voilà, ça fait plaisir. On est là, on se mobilise. Et voilà, comme on dit, tous mobilisés, tous concernés. Bon, je dirais plutôt tous concernés, tous mobilisés. L'important, c'est la mobilisation, le nombre et la masse. Voilà, et c'est ça qui peut faire une influence. Bon, allez, on continue dans la vidéo de cette mobilisation. Voilà, donc on a un équipement sono un peu limité, donc vous nous excuserez. Donc du coup, je ne vais pas être très long, je vais juste vous dire deux petites choses. La première, je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux et dans un délai aussi court. Pour cette manifestation contre le contrôle technique. Et là, tout de suite, j'ai envie de vous proposer une petite huée qui va bien, un bon « ou », parce que vous pensez quoi du contrôle technique, vous ? C'est de la merde ! Oh, chiottes ! Je crois qu'on est tous d'accord. Donc vous dire voilà, je vous remercie, on va donc refaire un cortège aujourd'hui. Je vous demanderai d'être vigilant parce que une fois n'est pas coutume, vous aurez noté qu'on a avec nous des cyclos, donc on a des mineurs, on a des gens qui seront en petite 50, en mobilette, alors clin d'œil à celle-là parce que quand j'étais gamin j'avais celle-là. Hein. Et Solex. Solex. Voilà, donc on va dire comme ça, prend soin des uns des autres et on fait attention à nous. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de faire un parcours que en ville, puisque si on était sorti en national, bon, avec les cyclos, ça aurait été décroché, ça aurait été compliqué de maintenir le cortège. Donc voilà, le choix de faire que en milieu aglo est le suivant. Vous dire aussi, comme d'habitude,
vous serrez bien à droite et vous laissez bien passer les voltigeurs parce que on va arrêter la circulation au fur et à mesure que le cortège passe. Donc laissez-nous passer. Tout ce qui est en gilet jaune avec les warnings et qui vous dit on veut passer, laissez passer parce que on bloque les feux, les stops, les carrefours et qu'on soit pas embêté quoi derrière. Oui, oui, Manu a raison, c'est pour votre sécurité, c'est la sécurité de tout le monde. Donc voilà, et puis la dernière chose, le parcours, donc au-delà d'être en aglo et un petit peu atypique, on a voulu changer, comme on avait le soleil, on s'est dit tiens, on va en profiter. Donc on va descendre au Leclerc, on fera un petit peu de bruit, on va s'arrêter à la mairie, on fera un petit peu de bruit, on va être au carrefour de Ashton, on s'arrêtera un petit peu et on fera du bruit, on va passer dans les quartiers, on fera du bruit. Et on finira, pour tout vous dire, Place des Arts, où là aussi, j'espère qu'en arrivée, on essaiera de se coller un peu en moto, et puis qu'on fasse gonfler un peu, parce que je suis pas sûr qu'ils nous aient bien entendu, donc histoire qu'on marque bien le coup et que ce soit fait bien comme il faut. On passe pas devant les contrôles techniques. J'ai pas entendu, pardon. On passe pas devant les contrôles techniques. Non, on fait pas. Non. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous remercie. Et puis, on se laisse 5-10 minutes, on décolle. Et par contre, on part dans ce sens-là, on part côté Place Bel Air. Donc laissez les éclaireurs arriver, puis on se rassemble et on décolle derrière. Merci à vous. Bon ben voilà, ça y est, vous avez entendu un des représentants de la FFMC de Haute-Marne, je précise de Haute-Marne, pas national de Haute-Marne. Donc là on finit au casque, donc ça va être un cortège dans la ville de Chaumont et un petit peu autour de la ville de Chaumont, voilà. Je vais me mettre en tête de cortège ou dans le cortège, je verrai bien. Voilà, et donc voilà, on va se mobiliser et puis on va montrer qu'on est là et qu'on n'est pas d'accord contre ce contrôle technique de roues motorisées, contrôle technique moto. Voilà. Allez, je vous montre ça. Tiens, ça chauffe. Voilà. Bien sûr, du bruit, mais aussi dans la légalité. J'aime bien. Légaliste, pas content, mais légaliste. Allez, on continue. C'est vrai que ça peut être un peu tard pour toi, mais le samedi prochain, il y a le total de Chevalier qui organise une balade. Oui, j'ai vu. Ouais. Et sinon, à Saint-Martin-les-Langues, le 25 mai, voilà. C'est les barbus du 52. Voilà, c'est dans le sens qui organise ça. Run! 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 Run!
Ben voilà, c'est ici que se termine la manif. Donc voilà, le président de la Fédération française des moteurs en colère, Antenne Haut-Marnaise, voilà, Antenne du 52, a été très content. Il a compté peut-être 500 motos. Bon, vous compterez parce que j'ai fait une vidéo où j'ai filmé tous ceux qui sont passés entre le rond-point Ashton et le rond-point Audival, voilà, de Chaumont, entre les deux ronds-points, là où je me suis posé. Là, on est à côté du cinéma à l'affiche. Voilà. Donc c'est ici que toutes les motos se trouvent. Voilà, voilà, il y en a encore là-bas. Donc voilà, belle motivation, bon rassemblement. Voilà, tout le monde, tous les participants, voilà, étaient bien motivés contre cette aberration. Voilà, donc il fallait se mobiliser. En tout cas, il y a eu de la mobilisation. Moi, je suis très content. Et je pense que les membres de la FFMC qui sont là, qui sont juste ici aussi, ils sont très contents. Voilà. En tout cas, merci de votre attention. On se dit le prochain rendez-vous, on est le 13, rendez-vous le 20, donc celui d'après, pour la rando mob et 50 cm cubes du motoclub de Chandray, donc le samedi d'après. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus! Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.